véritablement mal considérés. Notre collègue Andrieux pour une minute. Oui, merci Président. Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, il y a 4 ans, et ça a été dit, la Norvège a décidé unilatéralement d'augmenter ses droits sur certains produits agricoles européens, comme le fromage, la viande d'agneau et de bœuf, ce qui est pourtant contraire à l'esprit de notre accord avec ce pays. Nous, le Parlement, avions demandé à ce que la Commission entre en négociation avec notre partenaire norvégien pour trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Force est de constater que la Norvège a maintenu ses droits de douane en l'état. 4 ans après l'instauration de ces mesures, je demande à ce que la Commission nous communique précisément leur impact sur les agriculteurs européens pour chacun des États membres. Par ailleurs, faute d'être aujourd'hui parvenue à faire revenir la Norvège sur cette décision, la Commission doit à minima s'engager résolument pour protéger nos producteurs de cette situation préjudiciable et faire en sorte que les pertes subies par nos agriculteurs soient intégralement compensées. Le contentieux doit certes être résolu dans le dialogue, mais l'agriculture ne doit pas, une fois de plus, être sacrifiée sur l'autel de la politique commerciale européenne. Grazie, onorevole Wałęsa. Merci, le collègue Wałęsa. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Le Parlement européen est outré concernant ce qu'a fait la Norvège qui a augmenté les droits ad valorem pour certains produits en 2013. Et cette augmentation s'oppose à l'esprit d'une bonne coopération, cet esprit à